Hey. Et cette fenêtre, ça avance? Oui, tout doucement. Merci. Ton dos te fait souffrir? Oui, un peu. Alors je te ferai un massage cet après-midi. En voilà une bonne idée. Tu veux bien m'accompagner à l'intérieur une minute? Pourquoi faire? Je dois fixer cette fenêtre avant que la nuit tombe. Je vais devoir soulever la marmite en fonte toute seule. Oh. Allons-y. Oh, oui. Vous avez des doigts de fée, Madame Stevens. Oh. Vous m'envoyez ravi, Monsieur Stevens. Oh. Oh. Ah. Alors, tu as beaucoup de travail à faire? Oh. Je dois renforcer toutes les fenêtres et vite, avant que les grands vents n'arrivent. Et j'imagine qu'ensuite, je devrais refaire le toit. Il ne va pas pleuvoir avant longtemps, ouais. Tu sais. Oui, je sais, mais c'est un travail de longue haleine. Tu as fini la fenêtre? Oui, celle de l'entrée. Je vais m'occuper de celle de derrière, maintenant. Si tout va bien, je m'occuperai du toit dès ce week-end. Tu as tout l'été pour le faire. Et tu n'es pas obligé de le faire tout seul? Tu attends de la visite? Non. Ça doit être le shérif Barr. Will, tu connais ces hommes? Je les ai jamais vus. Peut-être qu'ils veulent juste un peu d'eau. Je vais m'assurer qu'ils continuent leur route. Qui est là? Je cherche un certain monsieur William Stevens. Et qui êtes-vous? Bonjour, Will. Est-ce qu'on se connaît? Vous êtes sourd? Est-ce qu'on se connaît, monsieur? Tu ferais mieux de tenir ta langue, shérif. Me venger. Désolé, je crois pas qu'on se connaisse. Est-ce que je vous ai causé le moindre tort, hein? Dites-le, fiston, hein? La seule personne qui avait le droit de m'appeler fiston, c'était mon père. Oh. Et tu lui as tiré une balle dans le dos de sang-froid. C'était qui, ça, Will? Je vis tout seul, il n'y a personne d'autre, je vous le jure. Will, est-ce que tu oserais me mentir? Faites-le s'asseoir sur cette chaise.
C'est l'anniversaire de quelqu'un, Will? Allez, sors de là! Sors de ta cachette, on sait que t'es là! Va falloir qu'on fouille ce taudis. Hein? Et qui est ton père? John Horn. Oh. John Horn, le franc-tireur. Exact. Il n'avait qu'un fils, Lee. À ce que je vois, c'est vrai, les chiens ne font pas des chats. Voyons ce qu'on a là. J'ignorais que t'avais une aussi jolie fille, Will. Je suis pas sa fille, je suis sa femme. Eh ben, t'es un sacré séducteur pour un vieux cow-boy de ton espèce, je veux dire. Dis-moi ce que tu veux, d'accord? Et je te le donnerai, t'entends? Je t'ai déjà dit ce que je voulais. Je dois avoir $30 ici même, d'accord? Et j'ai aussi 2 chevaux et des pistolets qui sont encore en état de marche. Tu crois que si je veux quelque chose, je sais me servir? Laisse ma femme en dehors de tout ça! Tu la fermes, sale fils de... Ça faisait longtemps que j'attendais ce jour, Will. J'ai entendu tant de choses sur toi. Que t'étais rapide. Un tireur précis. Que personne t'échappait. Un jour ou l'autre, j'allais t'avoir, c'était sûr. Et c'est encore mieux que ce que j'espérais. À nous deux, ma jolie. Ramène-toi. Je veux qu'il voie ça. Tu lui règles son compte. On se retrouve en ville, entendu? On y va! File-moi ton flingue. Qu'est-ce que tu fous, merde? J'ai dit, file-moi ton flingue, t'entends? Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Hé, hey, t'as un problème, la pocharde? T'as fait tomber ta gnôle? Oh, tu pues! T'as déjà entendu parler du savon, sale chienne galeuse? Alors, c'est dur de se relever, on dirait. Hé! Hey. Oh, oh. Du calme, monsieur! C'est la pocharde de la ville! Aidez-la à se relever. Ramassez ses provisions, allez. Maintenant, excusez-vous. Pardon, madame. Désolé. Fichez le camp.
Quoi de neuf, Franck? Ça faisait des lustres que je t'avais pas vu dans le coin. Tu sillonnais les pistes, Vurnard? Tu dénichais les voleurs de bétail et les assassins? J'imagine que tu vas prendre une chambre chez Samuel. On a eu des ennuis par ici, il y a quelques mois. Une bande de crapules est venue en ville, c'était pas beau à voir. J'aurais aimé que tu sois là. Tu vas rester un peu en ville cette fois, l'ami? Combien je te dois? Voyons, ça fait 26 cents. On se sent en sécurité quand t'es en ville, Franck. Regardez qui voilà. Franck Allison. Comment va, Franck? Je suppose que tu veux une chambre. La même que d'habitude, celle qui est à l'angle, à l'étage au fond? Oui. Ton argent est toujours bienvenu ici, tu sais. Tu peux rester autant que tu veux, hein. Toute la ville se sent en sécurité quand t'es là, Franck. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Je ne peux être d'aucune aide, Franck. Je connais pas la moitié de ces hommes, j'en ai jamais entendu parler. Ils doivent savoir qu'il faut éviter de te chercher des poux sur la tête, hein. Oh, oh. Attends une seconde. Je connais ce malade. C'est Liorn. Il est venu ici il y a 2 mois environ avec son clan. Ils ont violé la femme et l'ont laissée pour morte. Et elle est encore en vie? Ouais. Et elle est plus très jolie à voir. Elle se saoule à longueur de journée. Et c'est compréhensible. De quoi elle a l'air? Je dirais qu'elle ressemble à une ivrogne. Elle vit toujours en dehors de la ville. Elle vient 2 fois par semaine pour acheter sa mioule. Mais elle fait pas d'esclandre et elle s'en va. J'avais prévu d'aller aider son mari à retaper leur maison ce jour-là, mais... ma femme avait des vertiges à cause de la grossesse, tu vois. Et je suis resté avec elle. Le lendemain, quand j'y suis allé... Mon Dieu. C'était horrible à voir. Elle m'a dit que Liorn était venu. Franck, t'es le bienvenu ici, tu sais. La ville se sent en sécurité quand t'es là.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc bouger là derrière. Je vois rien du tout. Qu'est-ce que vous regardez? Lee a vu un truc bouger derrière les rochers. Reste où t'es, Lee! Je vous arrête, toi et tes hommes! Tout le monde garde son sang-froid! Dites-moi, vous avez un problème, shérif? Et pas qu'un! Vous avez transgressé la loi! Vous avez braqué plusieurs banques dans les environs de Douglas! Et vous avez commis un crime ignoble! Vous avez tué Will Stevens et... Vous dites qu'on a transgressé la loi? Vous avez entendu ça, les gars? Il parle bien, ce shérif-là. On paraîtrait presque dangereux. Évitons la fusillade, d'accord, Lee? Il y a déjà eu assez de morts. Oh, c'est bien vrai, pourquoi échanger des coups de feu? On ne veut pas de problème. Leurs munitions. C'est intéressant ce qu'il a dit. Quoi? Il a parlé de Will Steven, il a rien dit sur sa femme. Dis, t'as fait ce que je t'avais demandé, toi? Je lui ai dit de le faire, Lee. Il voulait pas. Et il a refusé de s'amuser avec elle, comme nous autres. C'est vrai ce qu'il dit? On n'avait aucune raison de la tuer. On venait régler son compte au shérif. Eh, du calme, chef, ça va? Je veux dire, c'est pas si grave si on l'a pas tué, hein? C'est vrai, quoi? Si c'est grave, sale con! C'est un témoin! Et comment tu crois que ce shérif débile était au parfum, hein? On va au Mexique, ça n'a plus d'importance. Ouais, on ferait mieux de disparaître. Si tu t'avises de refaire ça, je devrais te tuer. Chef, c'est pas la route pour le Mexique! On va pas au Mexique, on retourne à Bisbee. Le dur à cuire, c'est Frank Allison, le meilleur chasseur de primes. Hé! Tu veux quelque chose, Frank? Est-ce qu'il reste encore un peu de ragoût? Je crois, oui. Je vais demander qu'on te serve un bol. Tu as besoin d'autre chose?
Excusez-moi, madame, je vous avais pas vu. Salut, Selena. Je te sers la même chose que d'habitude. Tu comptes lui servir un whisky? Franck, ça l'aide. L'aider à saouler toute la journée, ça doit pas l'aider vraiment. C'est ce qu'elle veut, Franck. Apporte-lui un peu de soupe. Asseyez-vous. Vous devriez y aller mollo sur la bouteille. J'ai plusieurs portraits. Jetez-y un œil. Ce sont peut-être ces hommes. Combien ils étaient, vous vous souvenez? 5. Ils étaient 5 en tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Voilà ta soupe, Selena. Elle va refroidir. Vous n'êtes pas un homme de loi. Mais un chasseur de primes. Apprenez-moi à tirer, s'il vous plaît. Pardon. Apprenez-moi à tirer. Non. Pourquoi? Pourquoi ça? Si vous voulez vous protéger, entourez une de vos cuisses avec une jarretière et glissez-y une petite lame. J'invite la dame. Attendez! Je vais apprendre à tirer, revenez! Partez Selena, pas! Ça va, calme-toi maintenant! Pas à tirer. Tu devrais retourner t'asseoir et remplir ton estomac avec autre chose que du whisky. Monsieur Allison a raison. Combien t'en veux? J'en veux 2, shérif. J'en veux 2 aussi. Henri, combien? Henri, combien t'en veux? J'en veux 2 aussi. Franck? Tu sais quoi, Franck? J'en veux pas non plus. Je passe. Pareil. Je relance. Pour moi, c'est bon. Franck va sûrement augmenter la mise. Tu surenchéris pas? D'accord, je suis. J'ai rien du tout. Il a rien. Henri? 3 valets. Lâcheté. J'ai une quinte. Qu'est-ce que t'as, Franck? Une quinte flush.
C'est toujours pareil. C'est pas vrai. Ce Franck, c'est un as du poker. Personne peut dire le contraire. Ouais. Selena? Non. J'ai eu mon compte, les gars. Je me retire. Un C4, un vrai plaisir. Continuons. C'est pas très drôle de jouer à 4. Je peux jouer avec vous? Tu sais jouer? Oui, je me défends. T'as de quoi miser? Pour moi, c'est bon. Franck, tu vois un inconvénient à ce qu'elle joue? Une paire de dames. Je te bats, Franck, parce que j'ai 3 valets. Moi, j'ai une paire de 10. Je vous bats tous avec une quinte. Hé, je me retire, les gars. Parce que la jeune dame m'a bien plumé. Oui, il se fait tard. Je crois que je vais y aller aussi. D'accord, je retourne derrière mon comptoir, les gars. Bon, ben, à plus tard, Franck. Et, au revoir, Selena. J'ai arrêté de boire. Comment vous dites? J'ai arrêté de boire. Tant mieux. Est-ce que vous allez m'apprendre à tirer? Je vous paierai. Je vous rendrai l'argent perdu aujourd'hui. Je ne veux pas de votre argent. Et puis pourquoi vous voulez apprendre à tirer, hein? Franck, je vous en prie, je veux savoir tirer. J'allais reprendre la route dans la matinée, mais une petite halte me fera pas de mal. Le shérif m'a dit que vous viviez en dehors de la ville. Oui, à 20 minutes d'ici. Chez Stevens, vous ne pouvez pas le rater. Merci, Franck. J'ai suivi vos conseils. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Par là, entrez. C'est un peu en désordre, oui. Je n'ai pas fait grand-chose ces 3 derniers mois. C'est votre mari? Oui. Will Stevens, c'est ça? Vous le connaissiez? J'ai entendu parler de lui. Un shérif du Texas. Vous voulez une tasse de café? Ce serait pas de refus. Asseyez-vous. Merci. Merci. Vous avez été marié à un shérif, pourquoi il ne vous a pas appris à tirer? J'en voyais pas le besoin. Par contre, maintenant, si. Pourquoi ça?
Disons que je n'ai personne pour me protéger. C'est censé. Commençons par le commencement. La prise en main ferme et assurée. Si votre main est lâche, vous n'atteindrez aucune cible. J'ai dit ferme. D'accord? Tendez bien vos bras. Pliez un peu le coude, mais pas trop sans ça. Vous risquez de vous donner un coup dans le visage. J'ai connu un type qui s'est cassé le nez comme ça dans une fusillade. Fallait voir ça. Visez dans le prolongement du bras. Le viseur est juste là. C'est clair? J'appuie sur la gâchette? Non, pas encore. On recommence. Pourquoi? Appuyez sur la gâchette, c'est ce qui est plus facile. Savoir dégainer et viser, c'est bien plus compliqué. Vous devez vous y exercer encore et encore. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir tirer, Franck. Ça fait partie de l'apprentissage. Si vous n'apprenez pas correctement à dégainer, vous êtes cuit. Je me fiche de savoir dégainer. Je veux savoir tuer un homme. C'est vous qui décidez. Dégainer et puis tirer. Si vous allez plus vite que moi, alors vous êtes prête à pratiquer le tir. Qu'est-ce que vous attendez? Rangez votre arme dans votre étui. Une fois prête, vous dégainez. Si vous me battez, je suis mort. Je vous le répéterai pas deux fois. Écoutez, j'ai jamais tiré sur une femme de ma vie et ça ne fait pas partie de mes projets. Si vous êtes quelqu'un d'obstiné, mieux vaut que vous puissiez dégainer avant moi et je vous apprendrai le reste. Où est-ce que vous allez? La leçon est terminée. Comment ça, la leçon est terminée? C'est pourtant clair. Attendez! Attendez! Où est-ce que vous allez comme ça? Attendez! Monsieur Allison, vous pouvez attendre une seconde? Ne partez pas comme ça! Monsieur Allison! Je suis désolée. Je vous en prie, excusez-moi. Je vous écouterai, je... Non, attendez! Monsieur Allison, je vous en prie, ne partez pas! Franck, t'es là? Franck! Oh. Franck, ils vont revenir. Ils ont tué le shérif Thompson. Ils l'ont tué et tous les gars qui l'accompagnaient sur l'ancienne route. Ils tuent tout le monde, Franck. Tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Qui ça, shérif? Liorn! Combien d'hommes tu pourrais réunir? Oh, j'en sais trop rien. Les gens ont peur après ce que Liorn a fait à Selena. Vous cherchez à vous faire tuer, on dirait. Je croyais que vous deviez partir. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez finir de m'apprendre à tirer. Alors? Je passerai vous voir demain matin.
Alors avec cet étui, vous devez tirer vers le haut, comme ça, et pointer vers l'avant, sinon il restera coincé. C'est ça, presque. On va essayer de tirer, d'accord? Tendez bien votre bras. Gardez les deux yeux ouverts. Le bras doit suivre l'alignement du corps pour tirer droit. Vous allez donc presser sur la gâchette, évitez les coups secs. Le geste doit être fluide. Vous arrêtez pas à mi-chemin, pressez jusqu'au bout. Vous avez tiré d'un coup sec. Non, j'y suis allée doucement. Vous avez tiré d'un coup sec. D'accord. D'accord. Allez. Je vais essayer à nouveau. Ouais. On va placer une cible, ça vous aidera sûrement. Allez-y et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous espériez l'atteindre ? Oui. Vous allez devoir tirer des centaines de fois avant d'y arriver. Il vous reste encore 3 balles, vous attendez quoi? Allez-y, tirez donc. Elle est rechargée maintenant. Vous retenez votre respiration, là? Non. On ne tire pas du jour au lendemain. Ça, vous me l'avez déjà dit. Combien d'hommes avez-vous tué? Une douzaine. J'ai tué une douzaine d'hommes. Tirer sur quelqu'un, c'est difficile? Tirer, ça n'a rien de difficile. Tuer, par contre, c'est autre chose. Quand vous tuez, c'est parce que vous devez vous défendre? Ou que vous pensez qu'il mérite de mourir? Ce n'est pas à moi d'en juger. Et s'il a fait quelque chose de mal? Quelque chose d'horrible? Comme ce que Lyorn vous a fait? Oui. Mon devoir est de le livrer à la justice. Et si ça avait été votre famille, votre vie qui s'envolait? Vous les tueriez, Monsieur Allison. Vous le savez bien. Exact. Oui, je les tuerai. C'est pas vrai. Je vous vois demain matin. Il faut que j'apprenne à tirer. Je n'ai atteint aucune de ces fichues bouteilles. Vous avez dit que vous m'en prendriez. À demain, Selena.
Joli tir. Frank. C'est Léna. Comment ça va? Frank, est-ce que t'as une minute pour moi? Recharger le barillet en attendant et recommencer. Tucson nous avait envoyé deux shérifs et deux agents fédéraux pour nous aider après mon télégramme. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient retrouvé Liorn. Mais ce salaud leur a tendu une embuscade aux environs de Dog Creek, sur la piste de Galant, il y a deux jours de ça. Ouais, je vois bien où c'est. Écoute, le type de la messagerie les a retrouvés morts. Qui ça? Les deux agents fédéraux et les deux shérifs. La piste de Galant rejoint la route principale de Bisbee. Oui, c'est ça. T'as une idée du temps qu'il leur faut pour aller de Dog Creek à ici? Environ deux jours, je dirais. Et Tucson, ils nous envoient du renfort ou non? Oh non. Ils ont tout un bataillon qui suit la piste des Apaches en pleine montagne. Ils disent qu'ils ont besoin de tous leurs hommes. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un d'autre? Ouais. J'aurais pu prévenir le shérif Thompson, mais l'île a liquidé. Ils sont morts, Frank. On ne peut plus compter sur personne. Liorn les a tous assassinés. Qu'est-ce qu'on va faire? Restez ici cette nuit? Pardon? Vous devrez revenir demain matin. Laissez vos affaires. Je vais nous préparer de quoi manger. Je ne me souviens pas d'avoir déjà mangé un aussi bon rôti. C'était le plat favori de mon Will. Il en aurait mangé tous les jours. Avant chaque repas, il venait fourrer son nez dans la cuisine. Il disait, tu cuisines du rôti? Non, Will. Légumes, poulet, pain. Il trouvait que ça sentait toujours le rôti. Vous avez tout ce qu'il vous faut, Monsieur Allison? Oui. Vous pouvez m'appeler Frank. Bonne nuit, Frank. Bonjour, voyageur. Samuel, on a des clients. C'est quoi ton nom, beau gosse? John. Moi, c'est Scarlett. Ravie de te connaître. Tu me présentes aux autres? Leurs noms ne sont pas importants. Samuel, tes clients vont attendre. Petit coquin. Bonjour, messieurs. Je peux vous aider? Donne une chambre à mes hommes. L'argent n'est pas un problème. Voilà les clés.
Vilma, Raquel, venez par ici. Viens, Trésor, on y va. Tu me montres ta chambre, Trésor. À tout à l'heure, les garçons. Je vais te montrer. Un autre. D'accord. Maintenant, je veux que vous essayiez de tirer en avançant. Ces bouteilles sont trop loin, voyons. Vous ne choisirez pas la bonne distance lors d'un combat. C'est l'intérêt de l'exercice. Vous devez apprendre à vous positionner. Tirez deux fois sans vous mettre à découvert. Gardez la tête baissée. Ensuite, essayez de vous rapprocher. Allez-y. Ne restez pas à découvert. Tirez quand vous êtes en lieu sûr, sinon c'est vous qui allez être touché. Vous m'avez compris ? Bien, allez-y. Oh, c'est pas vrai ! Soyez patiente. Qu'est-ce que je fais de mal ? C'est plus dur, vous vous déplacez, il va falloir vous entraîner. Écoutez, quand vous êtes à couvert, prenez votre temps, vous précipitez pas. Vous devez savoir où vous tirez avant d'y aller. Anticipez, observez l'adversaire et ensuite tirez. Vous comprenez? Ça se passe comme ça dans la réalité? Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez répondre à ma question? Quelle question? C'est ce qui arrive lors d'une vraie fusillade? Je ne peux pas vous répondre. Pourquoi ça? Parce que chaque fusillade est différente, voilà pourquoi. Les bouteilles ne ripostent pas. Tommy! J'ai du mal à tenir debout. Tiens, c'est pour toi. Jay. Sheriff Barr, entrez donc prendre un verre avec nous. Non, ça ira, Samuel. Peut-être plus tard. Restez là. Le shérif Barr est un brave homme. Ça le dérange pas que des étrangers viennent se rincer le gosier ici. Shérif ? Comment allez-vous ? Je m'appelle Joe. Ah, vous allez bien ? Ravi de vous connaître. Shérif Barr, enchanté. J'espère que vous ne voyez pas l'inconvénient au fait qu'on fasse une petite halte dans votre ville. On est sur la route depuis des jours, alors... Ah, c'est vrai. Et vous venez d'où ? On vient de marquer des troupeaux, tout près de Douglas, et on rentre maintenant à Neko. Ah, je vois, ouais. Alors restez ici autant que vous voulez. Merci. Samuel, là, il a les... C'est lui qui a les meilleures chambres en ville. Vous êtes ici chez D'accord. vous, entendu ? Hein ? Merci. Merci. Vous appréciez la lecture, on dirait. Mmh. Pourquoi ? J'essaie de me cultiver un peu. Et puis, ça me détend. Mmh. On devrait reprendre l'entraînement.
Frank ? Shérif ? Selena ? Shérif Barr, contente de vous voir. Frank, il faut que je te parle. T'as une minute ? Selena, vous voulez bien nous excuser un instant, s'il vous plaît. Comment tu sais que c'est Horn et son clan ? Ça en a tout l'air, Frank. Ce sont des assassins, ça se voit dans leurs yeux. Et est-ce que tu as vu Horn ? Frank, c'est eux. Est-ce que tu as vu Lee Horn ? Non, j'ai pas vu Lee Horn, mais je sais qu'il est ici. Il est ici, Frank, je le sais. Désolé, je m'emporte, mais je suis convaincu que c'est eux. T'envisages tout de même pas de t'attaquer à eux tout seul, hein ? Pas ici, à Bisbee. Ça, il faudra bien, si tu me donnes pas de coup de main. Espèce d'ordure ! Vous n'êtes qu'un menteur ! Selena. Lee est ici. Lee est ici. C'est pour ça que vous êtes resté. C'est pour ça que vous êtes là. On n'en est pas sûr à 100%. Selena. Écoute, je sais parfaitement ce que tu ressens. Non, vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce que je ressens. Si c'est Horn et sa bande, j'en fais mon affaire, d'accord ? Je viendrai vous aider. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je viendrai vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Vous allez devoir faire avec. Selena, Frank sait ce qu'il fait, ça ira. Laisse-le faire son travail. Ces hommes, ils ont tué mon mari. Bon, écoutez, je vais retourner en ville et surveiller ces vauriens, hein, au cas où ce serait Liorne. Selena. Vous savez à peine manier une arme. Je vous aiderai, s'il vous plaît. Non. Vous m'avez appris à tirer, enfin. Tirer sur des bouteilles de whisky, ce n'est pas la même chose que de s'attaquer à Lee Horn et sa bande d'assassins. Ils vous tueraient. Sans aucun doute. Je vous l'ai dit. Je me fiche de mourir. Non. Mais je sais tirer, vous l'avez vu. J'ai dit non. Faut qu'on parle une seconde. Va m'attendre au bar, je dois parler à mes amis. Entendu, mais reviens vite. Lee, on doit se tirer d'ici au plus vite. Le shérif est passé, je suis convaincu qu'il sait qui on est. Allons rendre une petite visite au shérif. Les gars! Bonjour, shérif. Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'avez fait peur. Vous avez rencontré un de mes hommes. C'est ce qu'on m'a dit. Je tenais personnellement à vous dire qu'on ne causera aucun ennui à votre petite bourgade. On fait juste une halte, on repartira dès demain matin. Et j'y vois aucun inconvénient. Est-ce que ça va, shérif ? Ça va ? Je vais bien. Oui, je... Vous en êtes sûr ? J'ai été un peu souffrant ces derniers temps, c'est tout. Vous ne trouverez rien dans ce tiroir. Ellie, viens jeter un coup d'œil. Vous connaissez quelqu'un qui ressemble à ça, vous ?
Non. Vous en êtes sûr? Oui. C'est vrai, certain. J'adore ce shérif. Il vaut le détour. Dites-moi, je peux faire quelque chose pour vous? Vous n'êtes pas tous là, il en manque un. Scarlett, envoie une de tes filles au kid, tu seras gentil. Et où il est? Avec le shérif, il lui tient compagnie. Envoie-lui une de tes filles avant que je me fâche. Fais ce qu'il te dit, Scarlett. Vas-y. Dernière tournée, les gars. Amenez les chevaux à l'écurie et allez vous coucher. Une longue journée nous attend. Merci à vous, mon brave. Plus un seul geste. Mademoiselle, rhabillez-vous. Vous êtes qui, vous? Hein? Où est le reste de ta bande? Et si vous me disiez... à qui j'ai affaire? Vous avez tué Will Stevens, vous avez violé sa femme et vous l'avez laissée pour morte. Et maintenant, vous avez tué le shérif. Ah!
Lui et sa sale chienne de femme, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, mon vieux. C'est pas moi, je vous jure. J'ai rien fait, je l'ai pas touché. Je l'ai pas violé, je lui ai rien vous fait. Vous étiez cinq. C'était Joe. Où sont les autres? Où est-ce qu'ils sont? Au saloon? Oui, au saloon. Hé, Pete, tu dors ou quoi? Allez, debout, espèce de sale poivreau! C'est bon, je suis réveillé. Ne me dis pas que t'as dormi ici toute la nuit? Non, je dormais pas. Dépêche-toi, les chevaux sont prêts, on se tire. Faut que j'aille aux chiottes. Alors grouille-toi! C'est pas très gentil, ça, de pointer votre arme sur moi. Je vous ai rien fait du tout. Si vous me tuez, ça ramènera pas votre mari. Baissez votre arme. Je vous ferai des choses que votre mari vous a jamais fait. C'était un coup de feu, ça? Tais-toi et bouge pas de là, tu m'entends? Mais tu crois que... T'as entendu, Lee? Où est Pete? Il est allé pisser. Oh non. Où est le kid? La dernière fois que je l'ai vu, il tirait son coup avec Vilma. Va le chercher. S'il vous plaît, ouvrez la grille, ça fait des heures que je suis enfermée là-dedans. Qui l'a tué? Réponds! J'en sais rien, il avait un chapeau et un long par-dessus. Je veux son nom, vite! Je me souviens pas de son nom.
Mieux vaut que tu partes tout de suite. Je te liquide sur place, sale traînée. Tout ce que je sais, c'est qu'il a parlé d'un homme qu'on aurait assassiné et de sa femme qu'on aurait violée. C'est tout ce dont je me souviens. Je sais rien de plus, je vous le jure. Laissez-moi sortir d'ici. Pitié. Ils l'ont tué, Ellie. Ils ont tué Tommy. La traînée a parlé de Will Stevens. C'est le chasseur de primes, tu crois? Celui dont nous a parlé le shérif? Ce Frank Allison? Lee! Je veux que t'ailles chercher Pete. S'il est encore en vie, on aura besoin de lui. Quoi? Je m'en charge. J'ai demandé à Chris d'y aller. Et moi, je te dis que je m'en charge. Toi, tu vas sur le balcon avec ton foutu fusil. De là, tu peux buter n'importe qui dans la rue. Chris est plus rapide que nous. En moins de deux, il sera là-bas. Ouais. Tu veux faire ça pour moi? Compte là-dessus, Lee. Alors, vas-y. J'y vais. Vous êtes devenu folle. Je les ai tués. J'ai tué deux de ces enfoirés, Frank. Moi, j'ai liquidé Tommy Claiber. Il reste plus que Horn. On va le chercher? J'irai le chercher tout seul. Vous en avez déjà fait assez. Mais Frank! Non! Horn tue de sang-froid. Il n'est pas comme les autres. Il ne rate jamais sa cible. Restez ici et tenez-vous à carreau. Dès que j'en aurai fini, je reviendrai. Frank! Faites attention. De ce petit jouet. Alors, c'est qui ton ami là-dehors? Tu ne sauras rien. Va en enfer, sale pourriture. On est récalcitrante, ma jolie. Hé, toi dehors! J'ai quelqu'un avec moi qui pourrait t'intéresser. On aurait pu s'éviter tout ça, mais mes hommes n'ont pas fait ce que je leur avais demandé. C'est dommage. On peut trouver un arrangement pacifique, on peut s'entendre. J'ai de l'argent et personne avec qui le partager. Passons un marché, si tu veux. Le seul arrangement pacifique que je vois, c'est que tu jettes ton artillerie au sol et que tu sortes les mains en l'air. Le chasseur de primes. J'ai une meilleure idée. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas baisser ton flingue. Ou je lui tire une balle dans la tête. C'est parti! 1 2 3. Je suis là, Horn.
Laisse-la en vie, elle n'a rien fait, tu entends? Le célèbre Frank Allison. En personne. Un véritable honneur. On les a eus, Will. On a tué jusqu'au dernier de ces salopards. J'espère qu'ils pourriront en enfer pour ce qu'ils t'ont fait. Comment vous vous sentez? Tenez. Voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est la récompense pour Lee Horn et son clan. Il valait à lui tout seul dans les $500. Voilà l'argent. Non, sans façon. C'est beaucoup d'argent. Reconstruisez votre vie. Vous n'aurez pas à vous en faire, croyez-moi. Où est-ce que vous allez? Je prends la route vers Necco. À la recherche d'hommes qui ont braqué une banque à Douglas. Ensuite, je rentrerai à Tombstone. Vous venez de là-bas? Votre famille vous y attend? Oui. Faites attention à vous surtout. Madame Selena Stevens. Et Frank? Vous voulez de l'aide? Pour arrêter ces voleurs à Necco? Non. Mais si j'en ai besoin, je sais où la trouver.
smoke.